Après les funérailles devant 4 milliards de téléspectateurs, c'était l'heure de l'inhumation en petit comité. Pour respecter ses dernières volontés, la reine Elisabeth II a donc été gélifiée par le pâtissier de Buckingham Palace. Paraît que dans un bon caveau, une gélie peut tenir très longtemps. Moins longtemps tout de même que sa reine-mère qui, je vous le rappelle, avait, elle, demandé à être distillée sous forme de gin. Un gin de 102 ans d'âge, quand même. Bravo, Queen Mamie.